Famille Toastmaster, bonsoir, messieurs, mesdames, les invités. Je suis heureux de vous présenter mon premier discours. Je suis très très ému par cela. Voilà. Et en fonction du nombre de personnes, de la situation et des gens, je me serais présenté de façon différente. Et ce soir, j'ai voulu donc me présenter en vous donnant la quintessence de ma vie de maintenant. Qui est, maintenant, habité, je suis habité en fait par une question qui est comment bien vieillir dans un monde qui bouge en permanence, qui est influencé par mon rapport que j'ai depuis l'âge de mes 13 ans avec des personnes âgées qui vont, c'est un petit peu âgé, mais de personnes de la quarantaine jusqu'à 90 ans, 99 ans, souvent. Donc ça m'a beaucoup influencé par cette question. Et ce soir, je voudrais vous apporter un discours, de la joie, du bien-être, une capacité d'adaptation à ce monde qui bouge vraiment, parce qu'on est tous concernés par la vieillesse. Voilà. Et d'une déduction de cette question, m'est arrivée donc une réflexion qui était qu'en fait, tout le monde est responsable de ce qu'il croit et de ce qu'il fait croître. À partir de là, j'ai établi 4 points qui sont à développer en chacun de nous pour passer donc ces épreuves. Donc, en 1, c'est pour moi, c'est un peu comme se laver les mains, se désinfecter. Il faut développer la gratitude. Alors, je sais que c'est pas quelque chose de quotidien, mais en développant la gratitude, vous allez augmenter votre vision, votre regard. Vous allez avoir des opportunités. Vous allez voir donc des interactions qui vont devenir extraordinaires et merveilleuses, bien sûr. Et en plus, vous aurez vos premiers sentiments de bien-être. Jouer ce rôle, même si on ne comprend pas, va déjà donner ses premiers bénéfices. Le deuxième, qui est en fait comme... c'est pour moi, c'est rêver grand. Rêver très grand, cela nous permet aussi, il faut se permettre, sous l'autorisation, d'enlever toutes nos croyances. Pour se donner une énergie. C'est comme notre cœur, il faut une énergie, quelque chose qui bat. Et donc, pour rêver grand, il faut enlever toutes ces croyances pour se donner la capacité d'avoir une grande vision, un objectif qui nous inspire, qui nous attire. De plus, ça nous apprend aussi à gérer notre souffle. Qui donne trop d'énergie, ne la gère pas, c'est souffle. Donc ça aussi, c'est très important. Le troisième point, c'est en fait ce que j'appelle les filtres, changer vos filtres, créer en fait une adaptation qui fait qu'on crée un nouveau réflexe qui est changer nos habitudes, toujours d'être négatif, destructif, rabaissant, en quelque chose de constructif qui est au service justement de notre rêve, de nos visions. Arrêter de se saboter en permanence. Et cela va vraiment, excusez-moi, je regarde un petit truc parce que j'ai oublié, donner un sentiment en fait vraiment d'optimisme et de croire vraiment que tout est possible. Quand votre vision va changer, votre monde va changer. Là, je vous dis, pour moi, on est un petit peu dans le olé-olé, le côté droit, le côté mystique, mais quand même, la quatrième étape, pour moi, est très importante, et celle non des moindres. C'est celle, en fait, où on met tout autour. C'est-à-dire, développer ses 5 sens tout au long de sa vie. Tous les 5 sens, la gourmandise, la vision, l'odorat, et même l'intuition, le toucher, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que ça, c'est ce qui vous apprend, qui vous apporte d'être pragmatique, stratégique, et aussi d'avoir une bonne gestion du temps. Apporter la priorité aux priorités, c'est très important. Et ça, c'est le côté aussi de tout ce qui est économique. Cerveau gauche au service du cerveau droit. En conclusion, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1, il faut avoir donc de la gratitude pour votre existence. C'est un défi peut-être pour beaucoup. Ensuite, être amoureux de sa vision. En 3, avoir ce réflexe de transformer tout ce qui est négatif, toutes nos pensées négatives, toutes nos expériences dites négatives, en éléments constructifs. Et la quatrième chose, c'est adapter votre itinéraire de vie aussi souvent que possible, en définissant des plages de temps qui vous permettront d'analyser donc ces expériences et donc les données récoltées au service donc de vos rêves. La folie, c'est de faire toujours la même chose, et de s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein. En tout cas, j'espère vous avoir apporté quelques informations pour vous faire bien vivre. Merci.